Un déménagement est synonyme de changement. Nouvelle adresse, nouveau logement. EDF est là pour vous aider lors de vos démarches liées au déménagement. Pour toute souscription d'un contrat d'électricité ou de gaz, laissez-vous guider avec Check, l'assistant déménagement d'EDF, disponible sur edf.fr/check. Vous y trouverez plein de bons plans et des conseils pour préparer sereinement le jour J et votre nouvel emménagement. L'énergie est notre avenir, économisons-la. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Le point belge. Une fois. Bisous à toute la Belgique qui nous écoute tous les jours, ça nous fait très plaisir. Je t'écoute, mon petit Mike. C'est déjà la dernière chronique de la saison, donc, et l'occasion pour les Belges qui nous ont fait l'année de vous laisser quelques messages. Alors, laissez-moi vous présenter pour la dernière fois les auditeurs du Point Belge. Wilfried, Gustave, Diandra et Aline, voici donc leur message. Je souhaite de merveilleuses vacances à toute l'équipe de Coé, ainsi qu'à toi, Coé. Et pour toi particulièrement, rien que pour toi, un yongololo, lolo. Allez, de bonnes vacances et encore merci, parce que j'ai kiffé encore vous écouter et je me réjouis dès la rentrée de vous entendre. Bonnes vacances à toute l'équipe de Coé et surtout à mon petit Jeff chéri. À toute l'équipe, je vous aurais bien demandé de venir en vacances chez moi, mais ma femme ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous souhaite de passer de bonnes vacances, je vous embrasse très fort mes camarades et revenez avec plein de bonnes idées. Oh, je vous souhaite de bonnes vacances à tous, hein, à tout le monde. Hein. Il y en a de ceux et ceux qui auront certainement plus de chance que d'autres, qui vont aller à Ibiza ou sur les îles Canaries. Hein. Bon, moi j'ai la chance, cette année, j'avais un jardin à court. Hein, c'est à 300 km de Paris, c'est entre mon jardin et ma cour. Allez, bonne vacances à tout le monde, hein, gros belge. Mmh. Vraie destination. Ils sont géniaux, ils sont géniaux, je les embrasse fort. Ils ont tous été top, vraiment, ouais. vraiment. Ouais. Et la Belgique, merci à vous de nous suivre tous les jours, ça nous fait très plaisir. Ben, c'est un kiff, en tout cas, d'être avec vous et d'entendre cette émission en Belgique. Et c'est pas fini, puisqu'on a aussi reçu quelques messages de personnalités belges qui ont fait l'année. Et on commence avec un artiste que je crois que tu aimes beaucoup, Coé, et qui s'appelle Orio Loïc Noté. Salut Coé, c'est Loïc. Je voulais juste te faire un petit message pour te remercier, en fait. T'es quelqu'un de vrai et je trouve ça ultra précieux de nos jours. Donc ne change rien, continue ce que tu fais, ça tue. Et voilà, je t'envoie plein d'ondes positives et j'espère qu'on se voit très très vite. Bisous. Bonjour Monsieur Coé, voilà. Bonjour Sébastien, c'est Bertrand Carrois. Mais voilà, je voulais donc ici en fin d'année te souhaiter de bonnes vacances, de profiter un maximum. J'espère surtout que l'on va bientôt pouvoir se rencontrer. Alors encore une fois, je te souhaite de bonnes vacances. N'oublie pas de bien te désaltérer, mais attention, te désaltérer avec de l'eau ou des softs. Pas autre chose, je vais vérifier et je vais surtout me renseigner. Allez, trêve de plaisanterie, à bientôt mon ami et que tout se passe bien. Ciao. Cap Ferret en juin. Coucou Coé, c'est Mentissa. Je te fais ce petit message tout simplement déjà pour te féliciter pour cette belle saison et je te remercie aussi de m'avoir mise à l'honneur avec ma belle gare du Nord. Et c'est quand vous voulez aussi pour venir la chanter en studio. Non. Voilà, je te souhaite de bonnes vacances et bam à toute l'équipe, bisous. Et Adi, tu peux souhaiter bonnes vacances à Coé et dire merci pour la saison? Oh, certainement pas. Celui-là, alors là, il m'a gâché mon année. Non, je lui souhaite pas de bonnes vacances, je lui souhaite pas de mauvaises vacances. Je dis juste qu'il aille se faire foot, d'accord? Et toi, pareil. Fais un bisou quand même. Non, certainement pas. Allez, tu crois que je vais faire un bisou au chauffe? Certainement pas. Allez, bonnes vacances. Quoi. Et foutez-moi la paix et ne revenez plus. Le chauffe, je le prends pour moi. Alors, jusqu'au bout. Énorme. C'est la belle-mère de Mike, on l'embrasse, bravo. Jusqu'au bout. Bertrand Carrois, le policier le plus célèbre. Hein. Oui, plus connu de Belgique. Donc, effectivement, merci. Il a dit, je vais contrôler. C'est à mon avis. C'est boulot. Le jour où je me ferai arrêter, je connais Bertrand Carrois. J'ai un message de lui. Et Loïc Noté aussi. Et Loïc Noté, que j'adore. Et la demoiselle, elle a beaucoup d'humour parce que Gare du Nord en novembre, on l'a... Ouais. C'est une très belle chanson, mais c'est vrai que nous... Ça l'a fait beaucoup rire. On l'a un peu taillé. Ouais. Bah, c'est parce que nous, à chaque fois, dans notre mood, c'est-à-dire que nous, on sort d'une vanne, et derrière... Gare du Nord en novembre... Ça coupe un peu, quoi. Voilà, mais c'est une très belle chanson, elle a beaucoup de... Gentille. Mais comme beaucoup d'artistes, hein, souvent, on se moque des fois, mais c'est que pour rire, j'espère que vous l'avez compris, quand même. Restez là, merci mon petit Mike. Avec plaisir, bisous. Tu es là l'année prochaine? Oui, si vous voulez bien de moi. Faut qu'on en parle. On t'a pas dit? T'as pas dit? Je sens mal cette affaire. De 15h à 20h, c'est Coé. C'est Coé sur Énergie. Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that? That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Peraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on,
Because if we don't, the alternative is unimaginable. Peraton.